qui encore na 9 ans. Nazala qui na 3e primaire. Mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta. Na na lobi nini yango? Ah, masasi. Na lobi nso na ke na kabine e pa mama eza musika. Toki ma même a na orphelina a face ya méthodiste. Toki miwana ngana le kinanga. Tokoti na se ya mbeto. Tozala ki 3 personnes na grande sœur tokutaki. Mbala moko tokoti na se ya mbeto ezala ki koto ba Rwanda, koto ba Uganda biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te. Mbala moko bombe gwe place tozala ki na se ya mbeto pou. E tanzi makolo nanga. Bazunga bakoti singa na chambre mususu. Kuna ndenge masasi ezalaki mwaye ezate ya mibale eyekaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir o ezalaki peut-être ba ngai ba ebongisa nati kana moko epanzi. Bakimi batiki nga balobi akufi. Biso to yeba ndenge ya kokima. Batiki nga. L'air na reprendre. Na bendani na salon na simbika likolongo yango na simbi boye na fanji wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota poto zana nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutu azawa tenga na lobinga na zali yo pesa nga mai na mela apesi nga mai na meli na zina sopi na pota epeli. Na la biko vanda te, yo kendo benga mama. Ake ko benga mama. Na se ya masasi wana mama ye, bazunga batenga na kitoko. Bakimi na nga na se ya masasi wana, do kendenge zate mama na nga lobi, ake na kufa na hôpital. Toko mi na zalaki victime ya liboso na hôpital general. Docteur Soki azwi, akati na likolo moko. Ndenge masasi ezobeta moko na zwaki ya tipi aroka na babondi. Alobi, peut-être toko traité akotika na moko. Mwaye zate minganga bakimi. Tomoni keneti klinike za afas, bake nenanga kuna, bake nanga na klinik. Kuna pe minganga bazali soute. Donc, traitement ezate bako ma parana na bako mosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu. Après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinic bazongi singa na hôpital général kota na boye koma ki kota makolo nanga epoli ezobimi sa bakusu. Docteur akati ya mibale natikali ampite na age ya 9 ans vinanga e baby la sala kinini pona merite azaboe lelo vinanga e baby kasi innocent patu mi bale wa makula baya ba mundao miso to sibir biloko aboe na zo souffrir vinanga e ruiné pona ba inconnu pona nini kolo wana na zo souffrir na lata ande ba prothèse. Famille n'a pas tous à pauvre. Prothèse au réseau coûté $5,000 na famille au wapi. Pona zoango na souffra kamakasi. Na kanisa ki le lo. Hey, bonjour, bonjour. Salut les amis. J'ai commenté sur ce que notre soeur est en train de dire à propos des Holocaustes en Swahili. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit, en tout cas, de refaire la même audio en français pour que ça ait une portée internationale. Et je reviens. Qu'est-ce que je disais? Avoir et entendre cette femme congolaise sans jambes parler, ça nous amène les larmes aux yeux. Ça fond notre cœur. Car c'est le sort qu'ont connu et continue à connaître beaucoup de Congolais qui sont victimes de massacres en masse venant de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans cette guerre qui a duré
plus d'un quart de siècle. Cette guerre qu'on nous a imposée par la machine à tuer des anglo-saxons qui utilisent Paul Kagame et Yoweri Museveni dans la région de Grand Lac pour nous tuer, nous les Congolais, nous déplacer de nos terres afin d'avoir accès à nos minéraux les plus chers, notamment de l'or, le coltan, la cassitérite, l'olframite, ainsi de suite. Mais ce que nous condamnons chez les politiciens congolais, quand nous suivons la vidéo telle que celle-ci, c'est de voir que les politiciens congolais veulent nous habituer à nous montrer des choses émouvantes, nous faire entendre des discours émouvants pour que nous puissions sympathiser avec eux. On ne refuse pas. Mais la vérité derrière tout ça, c'est quoi? Le système politique au Congo aujourd'hui est pourri. Parce que ceux qui devaient sauver le Congo et tracer le chemin d'une bonne politique, je veux dire, ce sont les soi-disant politiciens congolais. Mais à notre plus grande surprise, la politique qu'on fait au Congo aujourd'hui, ça, la source, le Rwanda et l'Ouganda, bien sûr avec la bénédiction des anglo-saxons. C'est dans ce piège du chaos et du mensonge que les politiciens congolais nous ont fait entrer. Pourquoi? Parce que ce sont des avares. Hein? Les politiciens congolais sont les gens qui aiment manger, bouffer. Quand il est en train de manger, de bien s'habiller, c'est-à-dire, il a déjà accompli sa mission. Le peuple congolais peut souffrir, abandonné à son triste sort. Ça ne dit rien aux soi-disant politiciens congolais. Nous n'attendons pas des politiciens congolais des spectacles émouvants, jamais. Ce que nous attendons, c'est que le pouvoir du Congo, des politiciens congolais, vienne des Congolais. Qu'ils entretiennent notre armée, qu'ils fassent même une armée la plus grande de l'Afrique centrale, avec minimum 1 million de personnes. Qu'ils achètent des armes, des munitions pour protéger le Congo et qu'ils cessent cette comédie de faire la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda en maintenant les frontières de ces deux pays-là, c'est-à-dire le Rwanda et le Congo, l'Ouganda et le Congo, ouvertes. Nous, qui lisons beaucoup, qui avons la chance de sonder pour connaître la réalité sur cette guerre du Congo, qu'est-ce que nous vous disons et qu'est-ce que nous vous avons toujours dit? Ceux qui entretiennent cette guerre, ce sont les politiciens congolais. Nous cesserons de le dire. Car depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, qui était un vrai patriote, qui défendait son peuple ouvertement, après sa mort, tout ce qui suit, ce sont des pouvoirs au pluriel installés là-bas par ceux qui tuent le peuple congolais. Et ceux qui devaient refuser ce système, ce sont les politiciens congolais. Mais remarquez, les politiciens congolais avides et affamés de pouvoir et de succès acceptent de truquer les élections au Congo, de devenir même des présidents, bien que sachant très bien que leur présidence vient du Rwanda et de l'Ouganda. Et ces mêmes politiciens aventuriers, farceurs, pensent que ils vont convaincre donc leur maître. Ils vont tabasser le Rwanda et l'Ouganda. Non, vous vous trompez. Ce que nous sommes en train de voir dans la vidéo, à part ce que la sœur, la femme congolaise est en train de dire qui est la pure vérité, le reste c'est du mensonge. Vous nous donnez l'impression que vous aimez le peuple congolais, vous pleurez. Mais dans votre gouvernement là-bas, c'est plein de Rwandais. Dans vos cabinets là-bas, c'est plein de Rwandais. Plusieurs fois, on vous a vu aller au Rwanda signer des accords. Aller en Ouganda signer des accords, faire entrer l'armée du Rwanda vous-même, faire entrer l'armée ougandaise, soit disant qu'on est en train de faire des routes au Congo. Depuis que Museveni faisait des routes, nous vous demandons, donnez-nous le rapport et allez mabalabala, banzela wana, et souki wapi. Le Rwanda, bon, l'Ouganda nous devait 10 milliards de dollars américains.
Pour ce que vous êtes en train de voir, pour s'être introduit au Congo, tuer les Congolais et faire même la guerre de Kisangani, qui a annulé la facture de l'Ouganda, ce sont les mêmes politiciens qui sont assis là-bas. Que l'Ouganda ne nous donne pas 10 milliards de dollars. En échange de quoi? Parce que c'est l'Ouganda qui les a mis au pouvoir. C'est l'Ouganda qui a lutté pour qu'ils soient au pouvoir. Donc c'est ça la comédie. C'est ça la comédie. Le peuple congolais a tant souffert. Il est temps de cesser la comédie, vous les politiciens congolais. Botika comédie nabino. Vous ne foutez rien. Et vous ne ferez rien. Parce que nous savons la source de votre pouvoir. Un esclave ne peut jamais contredire son maître, à moins qu'il se rebelle. Mais vous, vous êtes des esclaves consentants et dociles. Vous voulez avoir des vestes, avoir l'argent, être au pouvoir. Regardez, vous êtes des comédiens. Et dans tout ça, le dindon de la farce, c'est le peuple congolais, la plus grande victime. Donc, laissez-nous la comédie. Ce que nous attendons des politiciens congolais, ce ne sont pas des discours et des showbiz. Non. L'argent que vous avez volé, pour ne parler que du régime en place, ça fait la sixième année, c'est combien de chars de combat? Combien d'auto-blindés? Combien d'hélicoptères tombeurs de chars? Une armée d'un million de personnes, nourries, logées, véhiculées très bien. Ce sont des bateaux, des frégates de guerre sur le lac Kivu et le lac Tanganyika. Ce sont des machines de bombardement, de dissuasion. C'est fermé l'ambassade du Rwanda, l'ambassade de l'Ouganda. C'est fermé même la frontière. C'est de ne jamais négocier avec les Rwandais, qu'ils soient au Congo ou bien en dehors du Congo. Mais regardez, vous vivez avec les Rwandais là-bas. Et on voit un ministre congolais en train de pleurer. C'est le Rwandais, c'est le ministre rwandais qui est en train de le calmer là-bas. Quelle comédie! Mon atteso ba congolais sana mubache. Bon, il y a mambo da de una raconte, ripitaka zamani. Zamani sana Bukomvi ba Rwandais na ba Ougandais. Jo contrôler Kisangani le mazone te kuko or. Sasa kila kitu na shangaka Nikona ba soi-disant autorité congolaise. Nibantu ba moya ba boule sana. Bana pendaka paka ma spectacle émouvant. Bile bintu bina takuririsha bantu. Badikala pale, bana fanga ma cérémonie. Eh nini? Mais comment on angaria sasa problème ya ba autorité benyewe? Beko na servir, beko au service ya benye wale ba uwaji. Ibi udade eko nasema, eko kontre Rwanda na Uganda. Me problem munene ni nini, hii rejimi kwa hapa, ni rejimi ya kutokia kuba Ugande na ba Rwande nje bariweka pali. Alor, muna chezaba nani? Bumbafu ni nani? Dendo ni nani mwii yote teatri? Dendo ni peuple congolais. Dendoni peuple congolais, juu muna beba peuple congolais muna mweka pale. Muna mufere croire que ba ennemi ni ba Rwande na ba Ugande. Ile congolais na juwaka depuis zamani. Me mwe ba politicien congolais, pouvoir yenu, hi desordre ko mu Congo, kao tuko naona na mauaji kunaendelea. Ni juu pouvoir yenu mwe ba autorité congolais, ba politicien congolais. Amupatake kutokia kubenye ba peuple congolais, saule dade konaria pale. Pouvoir enu mune ipataka na muri ipata kutokia kwa Kagame muuaji na Museveni muuaji. Kuba Rwande na kuba Ugande. Et puis vous prétendez que mutapata solution problème ba Congolais. Ata! La preuve ane que ba Rwande be onabeba ma territoire na ba Ugande. Mais ma frontière ya Rwanda na Congo. Uganda na Congo. Iko akufunguka. Mwache comédie. Mwache farce. Muna franga yote, ile mamilion musha kuiba. Unaona ni armeka, ya bunene je muripasha kufanya. Ni mamilision ngapi muripasha kununulia ba militaire congolais. Ma arme ya je, ma avion ngapi,
Ma chère de Combert, parce qu'on gagne moto blindé dans ma bateau de guerre, pas pa, 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 manini, malak qui vous, ma tanganika, nini, tout ça. A mon avis, la volonté, na mutakwa na volonté, du moins, bote, pas quoi accéder au pouvoir. Il faut Kagame na Museveni, mon région à Grand Lac, Bakuichike. A ou ta komani sa ba maître bako? Ni comédie. Peuple congolais, moutanza ba gui présenter, Rwanda, Uganda, tout ça goujoua, il n'y a rien de nouveau. Ba congolais, man appelle déjà ma spectacle chaque an, chaque mois. Rwanda, Uganda, pana. Beko pale mbamione, mkupe relation na Rwanda na Uganda. Pwembar, funga ambassade ya Rwanda na Uganda, weka armée en place. Hii miaka yote 5 ya Tshisekedi. Armée paswa ya nguvu sana. Hii mafranga yote ba ministra Tshisekedi ya ba konseba na iba. Ni armée paswa la plus puissante d'Afrique. So, mungu nenda kuria, ba naome mungu nenda kuria. No, atumiatandre mwa ba ministra manze kuria, bongo. Mubebe mabunduki ya nguvu, forme armée ya nguvu, mwende mupike Rwanda. Pwembar, kunyanganya mabulongo bashako, beba. Na kubafanya nini, wanasemaka dissuasion. Barwande banze Kongo pana ba Uganda. Kama unaenda kucheza ku frontiera Kongo, utakufa. Bata bombarde. Bata kupomona bien. Mwe amona kule. Pale munesha kuikala paka mule mu ma presidency yenu. Mule mu groupe ya ba ministre. Pale mwe unashika le mtoto mwanamke unasema. Ba ministre bengine mwana bo pale na ba. Banta makabine. Ni Barwande. Komedika ni mwona chenzo. Ba ministre mwe benye murinome pale par la force. Rekomandasyon ya Uganda na Rwanda. Ni ba Rwande weko pale. Mutasema ile mambo mwona fan pale ni ya kweri. Ata. Aparte mwilo le dada yon asema. Njo verite. Le reste ni teatre mwona tafta konesha ke. Vous êtes avec le peuple congolais. Amuna na peuple congolais. La preuve est que ma élection yenu, ma pouvoir yenu yote, natoka ku Rwanda na Uganda, vile tulisema, na munendaka ku Rwanda na Uganda kusinye ma accord. Ile ba peuple congolais atujuake, ya kusede ma terre na ma richesse. Balande batafama balabala, abafanga ma balabala, ba Ugande murisemaka batafama balabala, aminatupachaka rapport. Ma signatini murenda kusinye ku Rwanda na Uganda, atu ya yonaka. Inafanya kazi muterrain. Ni nini mnateswa ba peuple congolais? Ennemi wa peuple congolais ni politicien congolais. Acha bantu mbalabala barie batakudiria we politicien. We politicien pana kuria. Weka plan en place, tengeneza armée ubaripe bien, i mafranga muko na iba, kwenda mwanga bintu Rwanda ikimbie na Uganda mwanga mabombe. Pwembar. Njoba kongole wa nachunga. Le reste, njobu baba mwe wa politisyen kongole. Mwe mjuwake tu. Jusqu'à preuve du contraire. Mwe bote mwuku mikulu ya Rwanda. Pouvoir yenu mwe bote mkongo jusqu'à présent. Ça fait plus de 20 ans. Mkongo mwana solution njwa nini. Bashako ka system mwe aoute ingia ku présidence. Kama Kagame na Museveni abakwichiki. Na sponsorship ya ba américain. Après tout mort ya Laurent Désiré Kabila, ibi byote biko na pita ni ma comédie. Wembar. Mungu amibariki.